Ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine, nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour avec une professionnelle de santé. Vous allez voir qu'il n'a pas attendu l'arrivée des nouvelles technologies pour pratiquer la télémédecine dans son magazine de la santé sur France 5. Elle sarme chaque jour non pas d'un stéthoscope, mais d'un micro et d'une caméra pour tenter d'expliquer, voire de résoudre les pépins de santé que vous pouvez rencontrer au quotidien. Une émission, vous allez voir, que l'on peut ingérer sans ordonnance, mais la réduire euh, au statut d'animatrice seule dans une émission de santé. Ce serait lui faire un jour, parce qu'elle vient ce matin nous présenter non seulement un documentaire sur Donald Trump, mais également la sortie de son nouveau roman. Bonjour Marina Carrère-Dancos. Bonjour, merci de m'inviter. Avec grand plaisir, merci d'être venue sur euh, ce plateau. Alors à l'occasion de l'élection présidentielle américaine, vous présentez un documentaire intitulé « Trump face au FBI » ce mardi soir à 20h50 sur France 5. C'est une enquête qui raconte cette guerre que l'actuel locataire de la Maison Blanche mène euh, face à cette euh, police fédérale. On va en parler dans quelques instants, mais je ne peux pas euh, commencer cette interview sans évoquer avec vous l'actualité dramatique. Dramatique, qui secoue notre pays, l'épidémie de Covid-19 oui. connaît une véritable recrudescence. Hier, Santé publique France a annoncé près de 27 000 nouveaux cas, 257 décès. En tant que médecin, Marina carreras dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui en France ben, Je suis euh, à peu près comme tous mes, mes compatriotes, inquiète, euh, inquiète oui. parce que parce que le virus progresse, parce qu'il circule énormément en France. Euh, rassurée par le fait qu'on a une médecine vraiment de qualité et des soignants extrêmement mobilisés, des autorités qui font tout pour endiguer, mais comme dans les autres pays européens, pour endiguer cette épidémie, mais voilà en même temps euh, inquiète pour tous les commerces, pour tous les artisans parce qu'on sent qu'un qu reconfinement, quelle que soit la modalité, hein, euh, s'annonce et que ça va c'est économiquement très compliqué pour les restaurateurs, pour les gens du spectacle, euh, voilà, pour tous les gens, euh, les gens des salles de sport, tous les gens qui, ont, qui vont être obligés à mon avis, à certains moments de fermer et que c'est douloureux, quoi. Ça, c'est clair. Mais honnêtement, on n'a pas le choix. Depuis que vous êtes diplômée de médecine en santé publique, hein, je crois aussi euh, précisément, oui. est-ce que vous avez déjà été aussi inquiète pour les situations sanitaires de notre pays Mais moi, je l'ai été parce que j'ai fait, j'ai commencé mes études de médecine au moment de l'épidémie de SIDA, ah. et que même si ça n'a pas le même visage, ça n'est ah. pas la même chose qu'une. Que, que ce type de ça ne touchait pas les mêmes personnes mais c'était vraiment l'époque où on n'avait pas de traitement où on n'avait rien et où la mortalité était colossale oui. mais vraiment colossale et bon en plus moi à l'époque j'avais été euh, polytransfusée après un accident oui. et euh, donc à risque effectivement d'être contaminée et c'était vraiment extrêmement anxiogène moi j'étais tout jeune médecin c'était l'époque où on mettait sur les fiches des patients une pastille rouge pour ne pas toucher ces patients avec les mains pour ne pas s'approcher pour euh, pour les, les, les isoler hein, oui. franchement et c'était une période qui était extrêmement anxiogène pour laquelle on n'avait rien donc euh, oui, c'était beaucoup, beaucoup plus lourd à l'époque. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation qui n'est pas la même. Et en plus, les autorités gèrent quand même relativement bien. Et vous, vous aviez subi une transfusion sanguine c'est ça J'avais été police après un accident. Et donc, c'était juste avant qu'on que que, qu qu enfin, qu contrôle de manière très sécurisée les, les transfusions, euh, le sang. Et du coup, euh, voilà, j'étais à risque d'être contaminée et euh, j'en menais pas large. Eh bien, on va parler de la situation sanitaire hein. dans quelques instants. Vous imaginez bien longuement dans l'interview du Best TV. En attendant, je rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook du Figaro et la page Facebook de TV Magazine. Également sur le figaro.fr, vous pouvez poser toutes vos questions à Marina Carrère-Dancos. Est-ce que vous êtes des fidèles téléspectateurs du magazine de la santé sur France 5 Est-ce que vous ne manqueriez pour rien au monde <laughs> Les documentaires passionnants qui sont diffusés dans la case Le Monde en face sur cette même chaîne. N'hésitez pas, vous pouvez lui poser toutes vos questions. On y revient juste après les news médias de Sarah Lecoeur. Salut Sarah. Bonjour Damien, bonjour Maria. Bonjour. Allez Sarah, on commence bah, comme tous les matins avec les audiences de la soirée. Qui est arrivé en tête Et c'est France 2 qui est en tête avec la fiction de Samuel Le Billan ah oui. qui se consacrait à l'autisme. T'en fais pas, je suis là, c'est le titre de cette fiction. 4 300 000 téléspectateurs réunis et 18 de part d'audience. La chaîne est loin devant la concurrence et notamment L'amour est dans le pré, le divertissement de Karine Le Marchand qui a rassemblé 3 700 000 et 16,2 de part de marché et TF1 est seulement troisième ah oui. du classement pourtant c'était un inédit de Joséphine Angegardien avec Laurence Boccolini et avec Laurence guest. Boccolini bah oui. donc un joli guest mais seulement 3 300 000 fidèles et 14,3% du public et parlons de la TNT euh, la oui. chaîne qui est en tête c'est W9 avec le deuxième volet de Baby la bande à Fifi 1 <laughs> 200 000 cinéphiles et 4,9% de part d'audience ça c'est un chef d'œuvre. alors c'est vrai que les, les, les fictions sociétales comme sur France sont de plus, nombreux, de plus en plus nombreuses à la télévision, mais forcé de constater que souvent ce sont les polars qui font recette. Est-ce que vous pourriez adapter votre nouveau roman à la télévision, Marina Carradanko, ses enfants du secret Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que vous pourriez envisager, vous qui êtes aussi romancière On le rappelle. Et bien, en fait, il est en train d'être acheté. Ah, d'accord. <laughs> Donc, c'est plutôt ah ben une je... très bonne nouvelle. J'arrive au bon moment. <laughs> et euh, et c'est vrai que je n'envisageais pas du tout, jamais envisagé, de, de, si, si mes deux premiers romans avaient été adaptés, de pouvoir euh, participer à l'écriture. Et là, je me dis que pourquoi pas prendre un exercice, bien sûr, avec la personne qui éventuellement va l'acheter, euh, qui ça sera tout à fait euh, maître dans cette histoire-là. Mais pourquoi pas participer à, à l'écriture Je me dis. Euh, c'est peut-être un nouvel exercice que je ne connais pas qui m'intéresse. Et vous pourriez jouer dedans, d'ailleurs, c'est une question que je vous pose, parce que dedans, il y a aussi un médecin légiste, à un moment de... Oui, euh... elle, elle, elle tourne mal, donc... Euh... Elle tourne mal, <laughs> c'est vrai, a... vrai. Ce, lui sera, lui un lui. Cours, ce peut sera un rôle assez court. Peut-être plutôt la commissaire. Hein. Plutôt la commissaire, à la rigueur, oui, effectivement. <laughs> non, non, mais je, non, je, je pense que j'arrêterai ma, ma participation à l'écriture. Et quand on écrit un livre comme euh, Le Polar que vous sortez là euh, en roman, est-ce qu'on pense justement à l'adaptation télé, est-ce que ça, ça trotte dans un coin de la tête ou pas Pas du tout, Allez. mais en fait, je comprends pourquoi... Le, plusieurs personnes me l'ont déjà dit. c'est Souvent, ça ressemble un peu à des scénarios, ce que j'écris. Ouais. Mais en fait, parce que moi, j'écris des images, je vois des images et j'écris à partir de ces images. Donc effectivement, c'est adaptable aussi à cause de ça. C'est un peu particulier comme façon d'écrire. Hein. Allez, on va poursuivre ces news médias avec toute autre chose. Il s'agit de Michel Drucker. Ça y est, on a enfin des nouvelles, Sarah. Oui, vous le savez, après une opération du cœur, l'animateur est en convalescence aujourd'hui dans un centre de rééducation et ce matin Françoise Coquet sa productrice s'exprime dans les colonnes du Parisien, elle nous dit qu'il ne reviendra pas sur son plateau du studio Gabriel avant février 2021, mais elle se veut rassurante, elle dit c'est un battant, il mourra sur scène. Voilà, en attendant des best-of vont être diffusés au moins jusqu'en janvier, ils sont d'ailleurs en plein montage et Michel Drucker avait proposé le nom de Maude Fontenoy, vous savez, la navigatrice, pour le remplacer, mais France 2 a refusé. Ouais, on lui souhaite bon rétablissement, oh bon ouais. ouais, Michel Drucker. On l'embrasse bien fort. On espère qu'il reviendra bientôt nous voir sur le Buzz TV et puis surtout ouais. sur son émission hein, ouais. sur France 2 qui cartonne, hein, comme toujours. Euh, Marina, vous, est-ce que vous avez aussi, comme Michel Drucker, l'intention d'exercer votre métier jusqu'à épuisement, si j'ose dire Est-ce que vous voulez mourir sur scène Non. Non <laughs> D'accord. Non. <laughs> c'est clair. <laughs> non, 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 d'abord parce que moi je pense que je laisserai les téléspectateurs bien avant. Non, c'est pas vrai. Vous avez euh... des très bonnes audiences. On en parlera <laughs> tout à l'heure. Mais euh, non, parce que je me dis d'abord, il y a un moment où il faut que, en tout cas, pour moi et dans mon émission. Ah. Euh, des jeunes prennent la relève à un moment. Pour l'instant, ça fonctionne, on continue, je suis absolument ravie, mais je pense qu'il y a un moment où, où ça sera un peu dépassé. Et puis voilà, j'ai l'écriture devant moi, je me dis que je pourrais continuer à écrire. Ce sera euh... votre porte de sortie, oui, 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 ça c'est clair, c'est clair. C'est vraiment quelque chose qui m'occupe, qui m'envahit, et euh, je me dis voilà, un jour je ne ferai plus que ça, et ça me va très bien. Et l'arrêt de la télé, vous avez une date en tête vous avez, Absolument pas. Je n'ai bon. jamais eu de date, ni pour commencer la télé, ni pour la continuer, donc j'en oui. ai aucune pour l'arrêter. Euh, je pense que les événements qui feront qu'à voilà, un moment, on aura envie que ça soit quelqu'un d'autre qui présente, ou un jour, l'émission peut-être s'arrêtera, ou elle sera remplacée par une autre émission oui. de santé qui correspondra plus à d'autres gens. Je fais aucune, aucune prévision, moi, vraiment. Tant que je suis là, je suis très heureuse, je suis passionnée par cette émission. Voilà, si un jour ça s'arrête, c'est aussi la vie de la télévision. Hein. Alors, on vient de parler d'une émission qu'on adore, le magazine de la santé. Ben justement, on va poursuivre avec les euh, émissions préférées des Français sur les 30 dernières années. Le classement, ça y est, il vient de tomber. Il est tout chaud. Oui, c'était hier, c'était nos confrères de télé SAT qui ont publié ce sondage réalisé par l'agence Ipsos sur un échantillon de 1000 personnes représentatives de la population. Alors, il distingue chaque décennie. Hein. Alors, pour la décennie 1990, c'est qui veut gagner des millions qui arrive en tête, suivi par Fort Boyard et les nuls, le programme présenté par Alain Chabat. sur Canal+, Plus à la grande époque. Hein. Et euh, après, on va passer à la, les, aux années 2000 qui sont dominées, elles, par Colanta, euh, euh, toujours à l'antenne sur TF1, puis deux programmes de M6, L'amour est dans le pré et Pékin Express. Et puis pour 2010, on reste avec M6 puisque c'est recherche appartement ou maison euh, qui, qui arrive en première position. Et TF1 se rattrape quand même avec The Voice et les 12 coups de midi euh, qui sont tout, aussi toujours à l'antenne. Ouais, c'est souvent des grosses machines d'audience, mais il y a une erreur là Oui, Mais c'est aussi ça. des divertissements ou de l'aventure. Oui, c'est normal. Hein. Mais pourquoi il n'y a pas le magazine de la santé, là -ce se Mais c'est une cherche, erreur. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je m'en vais d'ailleurs. C'est un scandale, <laughs> c'est un scandale. Oh, non, mais, mais Vous faites 700 000 téléspectateurs en moyenne. Hein, là, on, hier, on était à 700 000 téléspectateurs, c'est euh, vraiment très agréable. Hein. Et vous avez tapé un plafond de verre, là, en termes d'audience, où vous pendant, avez l'impression d'aller Pendant, le, pendant le, le confinement, où j'étais toute seule à l'antenne pendant les deux mois, on était en permanence, on frisait le million pratiquement tous les jours. Il y a le réflexe d'aller sur votre émission lorsqu'il y a une situation sanitaire assez critique en France Oui, en fait, apparemment, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Il y avait une vraie demande d'information, de décryptage, en fait. Et nous, on n'a jamais été c'est un parti pris qu'on qu avait adopté hein, on n'a jamais été dans la polémique, dans le, le conflit ou dans l'explication de tout ce qui était fake news. On l'a fait après, mais oui. pendant le confinement, on on était vraiment dans l'information pure et dans, apparemment la demande des téléspectateurs. Et ça a bien fonctionné. Et une autre émission qui fonctionne, une autre case qui fonctionne, c'est le monde en face. Oui. Avec ce documentaire Trump face au FBI, on en parle tout de suite dans l'interview du Basse TV. Marina Carrière d'Ankouze oui. face aux internautes, Trump face au FBI, c'est le nom du documentaire donc je le rappelle que vous présentez ce mardi soir sur France 5. Le réalisateur, hein, on, va, on va donner son nom, David Kerr-Brown, euh, s'est intéressé au lien entre le président des États-Unis et le Bureau fédéral. Alors il existe mille façons, c'est vrai, hein, de se pencher euh, sur l'actuel locataire de la Maison Blanche. Pourquoi avez-vous décidé de vous focaliser sur celui-ci en particulier, sur ce lien entre Donald Trump et le FBI Mais en fait parce que c'est absolument fascinant. D'abord c'est une dynastie, hein, les Trump. Il n'y a, a pas que Donald Trump, il y a leur père. Y a... Grand-père, euh, qui ont tous euh, trafiqué avec la, la mafia. Et quand on peut prendre l'histoire de Trump, ce qu'a fait effectivement ce réalisateur avec beaucoup beaucoup de talent, euh, on constate que il s'est construit en fait tout ce qu'il a pu obtenir, ça a été grâce à la mafia. Hein. Ce qu'il a ce qu'il a fait à New York, c'était grâce à la mafia new-yorkaise. Ensuite, à Atlantic City, c'était la mafia italienne. Ensuite, euh, en Russie, ses liens avec Poutine, c'est avec les banques russes. Euh, donc tout ça est absolument euh, extraordinaire. Et en même temps, il se sort de situations qui sont quand même très complexes grâce et avec le FBI c'est c'est un lien entremêlé entre le FBI la mafia et Donald Trump qui lui a permis en gros de se sortir de tout et à part une enquête où vraiment il est très incriminé, qui est l'histoire de l'ancienne tour Trump à New York, où quand il a détruit la tour, il y a eu de l'amiante absent partout. C'est que les ouvriers ont, ont nettoyé ça quasi à main nue et ont répandu de l'amiante partout à New York. Et que ça, c'est un crime imprescriptible aux États-Unis parce que c'est la santé publique. Les autres enquêtes, il se sort quand même de tout. Mais parce qu'il y a ce lien, Trump, mafia et FBI. Et c'est extraordinaire. C'est ça. Mais concrètement, comment vous expliquez ça Parce que c'est intéressant ce que vous dites. Le FBI n'ignorait pas ses, ses activités dans l'immobilier, ses liens douteux avec la mafia, effectivement, que ce soit le crime organisé russe ou italien, comment vous expliquez que finalement il n'a jamais été vraiment inquiété par le FBI Il y avait des indiques à l'intérieur des, des équipes, c'est ça C'est un lien euh, particulier, mais qu'on retrouve aussi euh, à l'époque avec la dynastie des Kennedy, hein, mmh. mais qui est un, 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 un quelque chose qui fait que quand il était vraiment très embêté par les mafias, il allait demander de l'aide du FBI. Le FBI était bien content, du coup, d'avoir des liens, euh, des, 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 des choses à connaître sur la mafia. Donc, il a, il a créé une sorte de triangle euh, qui lui a permis, effectivement, euh, en obtenant des avantages de tout. Ben, ça, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas malin, ça c'est sûr. Mais, effectivement, il s'en est sorti. Et puis, en même temps, il réussissait. Oui. Euh, et quand on réussit, c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, c'est quelque chose quand même qui est. Lui, c'est le, le winner. Hein. Son père l'a élevé comme ça. Hein. C'était où il était winner ou il était loser. Mm. Donc il n'y avait pas d'alternative. Et il, il était winner, donc il gagnait en permanence en utilisant justement ces différents moyens, euh, soit pour euh, avoir de l'argent, soit pour aider le, les enquêteurs du FBI. C'est quelque chose d'assez étonnant. Hein. Ouais, il est tellement winner qu'aujourd'hui, il est du coup président des États-Unis. Sarah, on retourne du côté des internautes. Est-ce qu'il y a des questions Oui, nous sommes. Il y a du monde sur sur la page Facebook de TV Magazine, on salue Radia, Chantal, Linda. Et je vais prendre cette question de Valérie qui se demande, est-ce que Donald Trump peut l'emporter la semaine prochaine face à Joe Biden Alors moi, je, bien sûr que je ne suis pas experte, je ne suis pas euh, historienne ni politologue. J'ai juste un, un, interrogé hier mes quatre euh, invités donc, du débat qui suivra ce soir le documentaire. Et les quatre disent, qu'ils soient républicains, qu'ils soient politologues, historiens ou sociologues, honnêtement, tout peut arriver la semaine prochaine. Dans les sondages, Biden est en tête. Tout peut arriver, et notamment parce que l'abstention risque d'être moins forte que d'habitude. On le sait déjà avec les prévotes qui ont déjà eu lieu, euh, qui sont beaucoup plus importants que les autres années. Donc c'est possible. Tout est possible. Alors la force de votre documentaire, Un hein, Trump face au FBI, c'est le témoignage aussi de Myron Fuller. Alors Myron Fuller, c'est qui C'est un agent spécial à la retraite, qui a rencontré Donald Trump en 1976, la date à laquelle le milliardaire jette son dévolu sur l'hôtel Fontainebleau hein, à Miami, euh, voilà qui est dans la gérance à la réputation de se trouver plus ou moins entre les mains de la mafia. Euh, quel genre de révélation euh, cet ancien enquêteur du FBI va-t-il faire dans ce, ce document Ah, on va pas trop en dire, de toute façon. Ouais, il en fait. <laughs> oui, oui. Non, non, il en fait. Il révèle des choses. Ouais. Moi, je trouve qu'il vaut mieux de pas, la, pas le raconter parce que c'est vraiment fort <laughs> et qu'il y a des choses. Honnêtement, moi, j'ai appris hein, j'ai appris énormément ouais. en regardant ce documentaire et notamment de la part de cet homme euh, qui a fait ensuite un rapport qui est quand même... Euh apporte des choses qui sont même si les républicains disent non non ça n'apporte rien ça apporte quand même des choses qui sont assez étonnantes. Alors à la fin du documentaire on hein, vous arbitrera un débat vous l'avez rappelé euh, quels sont les intervenants que vous avez conviés autour de votre table Les intervenants euh, il y a donc Thomas Negaroff qui est euh, historien euh, des, des États-Unis également intervenant dans ses politiques hein, sur la musique. Absolument euh, Madame Cave qui euh, qui est sociologue spécialiste des, des États-Unis euh, une représentante donc des, des républicains mmh. en France et puis le co-auteur euh, du, du documentaire. Et la représentante des républicains en France, c'est oui. la voix de Donald Trump hein, sur votre plateau Elle oui, en dit sûr. quoi ben, Elle dit que, d'abord, en gros, la mafia, bon, ça, c'est des choses qu'on okay. sait, mais c'est du passé, euh, on ne va pas passer notre temps à, à parler de ça, euh, que les révélations, donc effectivement, le rapport Muller n'apporte rien de réel, donc ce n'est pas la peine de s'appuyer là-dessus non plus. Oui, c est, c est la, elle, elle défend Donald Trump euh, totalement, mais bon, en ben même temps, c'est ouais. la représentante. Euh, elle dit en même temps que les Américains se fichent de tout ça. ça. Et que c'est pour ça qu'il a été élu et que pour elle, il va être réélu. Elle n'a pas complètement tort, puisqu'effectivement. Ben, bien sûr. Le ah non, non mais il y a plein de choses tout à fait pertinentes. Mais c'est vrai que quand on voit ça, quand on voit ce documentaire, on se dit non mais c'est pas possible. Il y a trop de choses qui sont incompréhensibles pour les Américains dans ce documentaire. Mais oui, mais les Américains beaucoup le savent. Mais sûr. comment vous expliquez vous à titre personnel ce paradoxe Parce que c'est vrai qu'on a un Donald Trump qui pactise avec la mafia et en même temps les Américains l'élisent les président des États-Unis. Nous en France, on va peut-être le découvrir à travers votre documentaire, mais les Américains le savent bien. Comment un, un, un monsieur comme ça peut devenir président parce des États-Unis Je crois qu'on connaît mal les Américains. En tout cas, moi, je connais les États-Unis essentiellement à travers New York, Washington euh, et Chicago. Ce n'est pas l'Amérique. Euh, les Américains, ce n'est pas du tout ça. C'est effectivement des gens qui ont des convictions qui ne sont pas du tout celles des New Yorkais. New York, New York c'est l'Europe. Et donc, les Américains, pour beaucoup, se retrouvent dans, dans les promesses qu'avait faites Donald Trump, dans ses opinions, dans la gestion, par exemple, qu'il a eue de, de, de la Covid. Ils se retrouvent là-dedans. Beaucoup d'Américains se retrouvent là-dedans. On a une vision qui est très européenne des États-Unis. Et je pense qu'on se trompe vraiment. Allez, ça retourne du côté des internautes sur la page Facebook de TV Magazine. – Oui, je peux vous dire qu'il y, y en aura beaucoup au rendez-vous. Hein, ce soir, euh, Béatrice notamment, film intéressant, ça nous change des informations anxiogènes du Covid. <laughs> voilà. Et euh, j'ai cette question de Jennifer euh, qui se demande si votre duo avec Michel Simès ah. vous manque. C'est une fan de la première heure. <laughs> – C'est la question qu'on vous posera <laughs> tout le temps jusqu'à <laughs> la fin de vos jours, <laughs> Alors, honnêtement, non. Euh, été, on a été très heureux, je crois, de présenter cette émission ensemble, mais pendant pratiquement 20 ans quand même, c'est quand même pas mal Michel avait ensuite envie de s'aérer et de faire autre chose que je comprends quand même mille fois. J'ai des coprésentateurs qui sont quand même absolument charmants. Euh, qui sont plus jeunes que moi, qui euh, qui sont beaux comme tout, qui sont Coxley, oui, euh, Fabien Doguet, ouais, Antoine Pio, euh, ouais. euh, c'est quand même, euh, je peux pas me plaindre, hein, j'ai vraiment euh, Jean-Marc Seine maintenant j'ai été au Curin une semaine sur deux, ce qui est quand même un vrai bonheur, ce jeune garçon, voilà, donc je peux pas me plaindre et j'ai du coup je découvre des choses différentes, ça m'a un peu un peu réveillé aussi, euh, parce que voilà, on est obligé de se remettre un peu en question, de faire les choses différemment, donc c'est juste un bonheur, et puis euh, Michel, je le vois en permanence, on, on, produit, on continue à produire ensemble les émissions donc euh, on n'est pas séparés, hein, on, on, se, on se voit tous les jours. On présente plus ensemble. Alors vous parliez de Donald Trump justement. Alors il ne se passe pas une seule journée sans que la presse française ne se fasse écho de l'une de ses dernières sorties. Euh, L'un des derniers épisodes que nous avons suivi avec appétit, si j'ose dire, en tout cas avec attention, c'est la gestion de la crise euh, du Covid 19 aux États-Unis. Quel regard vous vous portez sur la façon dont il a géré cette épidémie euh, sur son territoire Certains parlent d'une hécatombe, près de 300 000 morts je crois, d'autres disent qu'il a très très bien géré, ce qui sera le cas je crois de, de votre représentante des républicains <laughs> oui, sur je votre plateau. C'est effectivement une, une des meilleures gestions. Moi euh... en tant que médecin, vous en pensez quoi ben, Moi en tant que médecin, il y a des propos que je ne peux pas entendre. quoi. C'est ouais. pas possible à, à l'époque on savait que les masques étaient indispensables de dire moi je ne porterai pas de masque et d'aller dans des meetings où il embrassait tout le monde sans porter un masque. D'ailleurs, la preuve c'est qu'il a quand même été contaminé. Euh, de, de, de tenir des propos sur notamment sur l'hydroxychloroquine, les, les sur divers produits euh, qui n'ont pas été validés scientifiquement et de dire moi je le prendrait s'il faut alors que c'est quand même le représentant des États-Unis c'est quand même une image pour le pays c'est un, un modèle donc euh, les a priori on, on peut suivre ce qu'il dit euh, les propos qu'il tenait même si c'était en plaisantant comme il dit sur l'eau de javel ou autre, ou autre propos ouais. pour, moi, pour moi c'est pas euh, c'est pas audible en tant que représentant d'un des pays les plus puissants au monde. Après ça, je pense qu'effectivement, le, les États-Unis n'ont pas été plus malmenés que d'autres pays dans les, dans les chiffres. Hein. Euh, pour l'instant, euh, la mortalité correspond à peu près à la mortalité d'autres pays euh, euh, qui ont des moyens médicaux suffisants. Mais euh, bon, je trouve qu'il y a des propos qui sont difficilement audibles, honnêtement. Alors désormais, c'est en France hein, que les chiffres s'envolent. On l'a dit tout à l'heure en introduction, avec parfois plus de 50 000 nouveaux cas recensés en une journée euh, seulement selon Publ Santé publique France. Euh, nous, en tant que simples citoyens, c'est vrai qu'on voit des chiffres qui se succèdent jour après jour, mais on a un peu du mal à les interpréter. Euh, vous, comment vous qualifieriez aujourd'hui la situation en france? est-ce que c'est grave? est-ce que la maison brûle? la maison brûle, je dirais pas ça. Euh, c'est grave dans la mesure où on n'arrive pas à contrôler la circulation du virus. c'est ça. Euh, si, si mes, mes chiffres sont bons, euh, la mortalité... En réanimation aujourd'hui est moins élevée qu'elle l'était en mars-avril parce qu'on sait mieux prendre en charge les malades avant qu'ils n'arrivent en réanimation et aussi en réanimation. Donc on a quand même progressé dans la prise en charge de la maladie quand elle est grave. Mais ce qui est très problématique, c'est que comme le virus circule beaucoup trop, il y a beaucoup trop de cas aujourd'hui et que dans très peu de temps, les réanimations vont être saturées. Le problème, il est là. Et qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant, même si on en fait un ou deux, des transferts dans d'autres régions, parce que toute la France est touchée aujourd'hui. Donc on n'a plus cette, cette souplesse qui permettait de, de transférer des patients. Donc voilà, les, les, là où c'est grave, c'est ça aujourd'hui, c'est qu'il faut... Réduire cette circulation du virus et faire redescendre, vous savez, ce fameux R, ouais. ce taux de contagiosité, qui, est, il faut le faire redescendre en dessous de 1 pour que le virus soit un peu moins contagieux. Voilà, c'est ça. Et les mesures qui vont être prises, je ne sais pas encore lesquelles seront prises, ouais. c'est vraiment fait pour ralentir la circulation du virus. L'inquiétude, elle est là. Alors, si on remonte quelques mois en arrière, hein, les images du printemps dernier, euh, souvenez-vous, étaient terribles. Euh, des soignants sur des rotules, euh, des pénuries de lits, euh, notamment en réanimation, des transferts de patients d'une région à l'autre. Et on a l'impression aujourd'hui, quand on regarde les images, notamment sur les chaînes d'information continue, que l'histoire se répète euh, sans que les pouvoirs publics n'aient véritablement tiré des leçons euh, du passé. Est-ce que, vous, ça vous révolte en tant que soignante de voir, justement, que les problèmes d'hier sont les mêmes qu'aujourd'hui ben, ce, ce qui me révolte surtout, c'est que les, les soignants euh, sont toujours là, ce sont toujours les mêmes. Oui. Euh, à part que 20% d'entre eux n'ont pas pris un jour de vacances depuis le, le mois de mars. Donc, ils sont, mais c'est au-delà de sur les rotules, et je trouve qu'ils n'ont pas été suffisamment euh, valorisés, malgré le, le Ségur de la Santé, qu'il faut vraiment les aider plus que ça encore. D'abord, si, euh, si on veut faire revenir de nouveaux, nouvelles infirmières, nouvelles aides-soignantes, il faut vraiment mettre le paquet. Voilà, je trouve qu'on les met pas assez en valeur, que là, ils sont à la fois épuisés comme ils l'étaient, mais ils sont un peu désabusés pour beaucoup. Euh, il y a eu tout, ils étaient quand même soutenus hein, par toute la population, par cet élan, par ces applaudissements, par tout ça. Là, on considère un peu que c'est normal, alors que la majorité sont vraiment totalement ils sont déjà Donc, épuisés. Ils sont aussi. Ouais, ils ne savent pas où, où, où est la ils, fin du tunnel. Ben, on se dit à peu près tous que la fin du tunnel sera quand un vaccin va arriver, hein, qu'on aura des vagues un peu comme ça le temps qu'on n'a pas de vaccin, parce que pour l'instant, ce virus ne baisse pas les bras. Donc, euh, il ne change pas beaucoup, mais il ne baisse pas les bras. On pouvait se dire que pendant l'été, euh, il allait perdre de son, de son influence, qu'il allait peut-être changer, être moins, moins contagieux, ou peut-être que l'hiver ne lui ferait pas du bien. Pour l'instant, il, est, euh, le il est le même en permanence. Sarah, on retourne du côté des internautes. Oui, et les, beaucoup d'internautes se demandent, comme Patrice, si les médias en font trop autour de ce euh, coronavirus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Ça dépend comment ils le font. <laughs> euh, si c'est pour effectivement relayer euh, les messages importants, de porter les masques, de, de protéger les gens les plus vulnérables, de, de garder des distances et d'expliquer pourquoi, je trouve que c'est très bien. Si c'est pour, et ça je le dis moi très clairement, hein, si c'est pour... Euh, inviter euh, des personnes complotistes, euh, oui. des personnes qui relaient des, des, des fake news, y compris des médecins qui expliquent qu'il n'y a pas de deuxième vague, que les chiffres oui, sont les faux, rassuristes. Euh, les rassuristes. Oui. Là, personnellement, moi, je trouve que c'est… Euh, en, en cette période actuelle, je trouve que ce n'est pas responsable. Oui. C'est intéressant ce que vous dites parce que cette crise, justement, a donné naissance aussi à de, nouvelles, à de nouveaux visages médiatiques, à des nouvelles personnalités hein, qui portent des blouses blanches et qui ont leur ronde serviette sur des chaînes d'information continue, sur des plateaux en tout genre. Et parfois, vous l'avez rappelé, il se contredit. C'est vrai. Vous regardez ces news, vous avez un épidémiologiste qui va vous expliquer qu'il n'y a pas de deuxième vague, que le coronavirus, c'est derrière nous, c'est terminé. Et vous allez allumer BFM TV dix minutes plus tard et vous allez voir un infectiologue, cette fois-ci, qui va vous dire qu'en en fait, la maison brûle, que c'est catastrophique et que c'est trois fois plus violent que la première vague. Comment vous expliquez cette cacophonie générale Avant, on pensait qu'il y avait une vérité scientifique et aujourd'hui, on se dit, on ne sait plus où, sur quel temps. Écoutez, moi je suis médecin, euh, journaliste, j'étudie la crise du coronavirus depuis le début. Et très honnêtement, parfois, je ne comprends pas tout. Vous imaginez le grand public à qui on explique un jour, euh, on est dans la deuxième vague, on va peut-être reconfiner parce que c'est dramatique, et le lendemain, mais non, cette deuxième vague n'existe pas. Moi, je ne sais même pas comment les gens arrivent à comprendre et continuent à porter des masques dans la rue et à faire attention, parce qu'honnêtement, c'est incompréhensible. Et je ne comprends pas, euh, effectivement, des médecins. Qui pour certains sont fort intelligents, que je connais, qui ont toujours été rigoureux scientifiquement, pourquoi aujourd'hui euh, ils arrivent à affirmer des choses qui sont contre les chiffres officiels on, on peut dire que la, la gestion est mauvaise, on peut dire beaucoup de choses, mais on peut, les, les chiffres sont là, les, les réanimations qui sont pr pratiquement saturées, elles sont là, c'est pas la peine de dire qu'elles sont vides, elles sont pleines. Donc je ne comprends pas. Alors que c'est de la part de gens qui sont intelligents. Donc il y a une vérité scientifique, on est d'accord, il n'existe pas plusieurs vérités Après, scientifiques. on peut l'interpréter quand on veut. C'est-à-dire qu'on peut dire euh, on exagère, on, on, on inquiète trop les Français, ou euh, c'est moins mortel que le virus Ebola, etc. Ouais. Bien sûr, on est d'accord là-dessus. Mais on ne peut pas dire que les réanimations soient vides. Ce n'est pas la peine de le dire. Et ce n'est pas la peine de dire que les 25 000 cas hier euh, dont on annonce qu'ils euh, qu ont été testés positifs n'existent pas. Ouais. Donc il y a un moment où il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'on puisse interpréter comme on veut ou dire ce qu'on veut sur la gestion, mais on ne peut pas faire mentir les chiffres qui sont des chiffres officiels. Il faut arrêter là quand même. On n'est est pas dans un pays qui, qui ment sur les chiffres officiels. Et tout ce tapage médiatique autour de Didier Raoult, que l'on a vu depuis le début de la crise, qui lui aussi, on pourrait classer finalement dans la case des, des rassuristes, vous en pensez quoi aussi Tous les médias se sont rués euh, sur Didier Raoult, on l'a vu sur CNews, on l'a vu sur BFM TV. Ma Emmanuel Macron est allé euh, le voir, légitimement ainsi peut-être un peu l'hydroxychloroquine, qui n'avait aucune légitimité scientifique auparavant. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça Moi, c'est ce que j'attendais. J'attendais les études. Vous savez, moi, je suis une scientifique pour ça assez cartésienne. J'attendais les études. Les études ne sont pas venues. Celles qui sont venues montre que ce n'est pas le médicament en tout cas à, à utiliser pour essayer d'enrayer cette épidémie. Euh, il y a eu un engouement d'abord parce que l'homme est très médiatique, que l'homme est très intelligent c est un, et c'est un vrai scientifique. Et là, je ne comprends pas son attitude. Je ne comprends pas que cet homme qui, qui est très scientifique et très rigoureux euh, ait pu... Affirmer des choses avant qu'une vérité scientifique existe. Mais voilà, il a, il, il a quand même un charisme. Est-ce que ces médecins se sont. Euh, comment dire, comment, comment dire Est-ce qu est que le, les médias sont devenus une drogue euh, pour ces médecins Dans le sens où ils ont adoré venir sur des plateaux de télévision, ils ont compris le jeu médiatique, c'est-à-dire qu'on les invite pour la petite phrase, donc parfois ils vont la donner au risque d'être caricaturaux et puis euh, finalement de se contredire les uns les autres. Est-ce qu'il y a aussi un petit peu de ça vous qui connaissez bien le milieu ça, médiatique en fait, et médical. Pour avoir euh, tenu le, la, la maison pendant les deux mois du confinement euh, toute seule, donc j'avais uniquement des, des, des spécialistes en Skype, je peux vous dire qu'à l'époque, euh, très honnêtement, ces médecins, ils étaient sur le pont H24 et qu'ils se libéraient euh, vraiment un quart d'heure pour nous parler en Skype, pour essayer d'expliquer aux Français ce qui se passait. Et on n'était pas dans le médiatisme. Alors après, c'est vrai que je pense que certains y ont pris goût parce qu'être médecin... Euh, euh, travailler énormément sans beaucoup de reconnaissance par rapport à plein d'autres gens. Je pense que certains ont pris goût et se sont dit ben voilà, on va quand même affirmer qu'on qu est compétent, qu'on a quand même contribuer largement à enrayer un peu cette épidémie. Et puis voilà, les médias se sont intéressés à tel et tel, et il y a un phénomène, c'est nouveau quand même que des médecins deviennent aussi médiatiques par rapport à des chanteurs ou à des acteurs, c'est quand même un phénomène nouveau. Donc oui, certains ont sûrement pris goût, mais il y en a qui continuent à dire des choses fort intéressantes. – Allez Sarah, on retourne du côté des internautes. – Oui, je vais prendre la question de Sophie, euh, qui se demande si vous allez vous porter volontaire pour venir prêter main forte aux, aux infirmiers et aux infirmières euh, dans les hôpitaux. Moi, j'ai déjà dit au moment de la première, euh, première crise, euh, je suis médecin mais je n'ai pas exercé depuis très longtemps, euh, je pense que je suis plus utile aujourd'hui en faisant mon métier de médecin à la télévision, en informant les téléspectateurs, je suis plus utile et sûrement euh, moins dangereuse qu'en retournant euh, auprès des soignants, parce que je n'ai pas fait depuis très longtemps et que je pense que je ne serais pas compétente. S'il s'agit de venir répondre au téléphone, parce qu'on a besoin de ça, je peux le faire. Euh, S'il s'agit prendre en charge des patients Covid, je n'ai pas cette formation, j'ai n'ai pas cette compétence, et je pense que je peux apporter plus en, étant, en, en, en expliquant ça à la télévision. Allez, Marina, on va terminer cet entretien avec votre nouveau roman, sorti ce mois-ci aux éditions Hélène, Héloïse Dormesson, pardon, intitulé Les Enfants euh, du Secret. Alors, l'élément déclencheur, on va le dire en deux mots, hein, c'est la découverte de deux corps euh, voilà, recouverts de tatouages rituels. Il y a une enquête qui est déclenchée euh, sous la houlette du commandant Marie Thébert et de son adjoint, mais très vite, en fait, il y a le médecin qui a analysé le corps qui décède, cette fois-ci, d'une fièvre hémorragique. Est-ce que c'est le genre de livre qu'il ne faut surtout pas lire avant de dormir Parce que ça a l'air assez glaçant quand même, à Ça vaut pour parce que, euh, effectivement, c'est une fièvre hémorragique que j'avais terminé. Mon livre avant la crise du coronavirus. Oui, Donc ça ne m'a pas inspiré, mais c'est vrai oui, est qu une question de virus aussi. Voilà, et de virus, virus émergents et de virus dans des laboratoires sécurisés. Ouais. Ça n'est pas du tout. C'était fini avant. Euh, non, c'est. Enfin moi, je, moi je le trouve pas très noir. Il y a gens qui me disent qu'il est assez noir, ce livre. Moi j'en ouais. sais rien. Mais en tout cas, j'étais heureuse de l'écrire parce qu'il y a des, des, des supports sociaux dans cette histoire. On parle d'intolérance, on parle de gens qui différents, qui ne sont pas acceptés par une société. On parle de l'histoire des enfants de la Creuse, ces enfants qui ont été déportés de l'île de la Réunion pour euh, repeupler la, la France euh, dans les années 60 et qui ont été pour certains carrément enlevés à leurs parents tout ça sous la houlette euh, des autorités françaises, donc c'est des, des histoires sociales, euh, moi qui me touche, des histoires effectivement humaines avant tout dont j'avais envie de parler et je l'ai fait à travers un roman policier oui. Et vous êtes déjà en train de plancher sur le prochain parce que vous, vous les enchaînez, hein, c'est le troisième je crois. C'est le troisième mais en, ouais. en, en neuf ans donc c'est bien oui, c'est hein? ça, ça. Un trois ans pour l'instant. <laughs> euh, oui, je suis en train de réfléchir au prochain. Ouais. Et ce sera quoi Un polar euh... Justement, je ne sais pas encore. Vous savez pas encore je, En général, c'est des choses dont j'ai envie de parler et je trouve ensuite le support pour pouvoir parler sais, de ces choses. Et l'inspiration, vous l'épousez où C'est au quotidien euh... C'est que j'ai en permanence les, les yeux ouverts et les oreilles ouvertes pour écouter euh, toutes les histoires humaines, quoi. Tous, les, tous les drames, toutes les souffrances, toutes les discriminations. C'est ça, est, est ça mon moteur, moi. Et eh bien là, vous allez avoir euh, un sens du choix qui va devoir être très aiguisé Marina ouais. Carrère-Dancos, parce qu'on va aborder notre dernière rubrique, ça s'appelle le sucré salé. Oui. Alors, sucré et, et on vous se met euh, deux propositions. Il faut que vous n'en choisissiez qu'une. Vous n'avez pas à voir, ce pas toujours évident. Alors, déjà facile, Michel Simès ou Patrick Pelou Michel Simès, que vous connaissez très bien, Patrick Pelou, très médiatique aussi. Ah, Michel Simès, ah, je ne fais pas Cymes. ça, il me tue cet après-midi. Exactement. <laughs> oh, voilà. Du coup, c'est Patrick Pelou qui va vous tuer. <laughs> oui, je suis plus Michel, donc ça va. Est-ce que vous êtes plutôt Didier Raoul, ce dont on a parlé il y a quelques instants, ou Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique euh, Jean-François Delfrécy ouais, que excellent. je connais bien, puisque je vous connais depuis l'époque du sida et c'était un homme extrêmement dans la lutte contre le SIDA et, euh, et voilà qui parfois, je le trouve un tout petit peu inquiétant dans sa façon de parler, oui. mais pas dans ses propos. C'est vrai qu'hier sur RTL, il était assez euh, assez inquiétant effectivement. Ouais, mais... euh, vous êtes plutôt romancière ou médecin <laughs> Alors là, euh... ça c'était le plus compliqué. Mais pas peu fier de ouais. vous <laughs> suggérer ça. Ça c'est <laughs> dur. Je suis presque presque bientôt plus, plus plus romancière que médecin. Plus romancière que médecin. Ouais. Les plateaux ou les hôpitaux à choisir Ah ben bah les plateaux. Les plateaux. Oui. Ouais, c'est quand même votre métier. C'est euh, mon métier, vraiment. puis les hôpitaux, j'ai fréquenté aussi en tant que patiente, donc ah ouais. euh, je préfère les plateaux. Eh ben, bah, c'est très bien, <laughs> ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marina carré Je rappelle que vous présentez donc le documentaire « Trump ». Face au FBI suivi d'un débat, c'est ce mardi soir à 20h50 sur France 5 que ça se passe. Et vous présentez également tous les jours le magazine de la santé sur France 5. C'est à 13h40. Et puis vous sortez le nouveau livre, Les enfants du secret. Il va falloir trois quarts d'heure pour énoncer toutes vos actualités, <laughs> tellement vous êtes occupés. Merci beaucoup d'avoir accepté de. notre invitation. Merci Sarah. Et on se retrouve Bien. demain avec un nouveau Buzz TV. Cette fois-ci, nous allons parler encore de Donald Trump. Mais cette fois-ci, ce sera sur W9. C'est un documentaire présenté par Nathalie Renaud que nous recevrons donc ici. J'espère que vous serez nombreux pour lui poser toutes vos questions. En attendant, très bonne journée et à demain pour un nouveau Buzz TV.